Marianne Joubert va peut-être reconquérir son titre de champion d'Europe de patinage artistique, arrivé en tête du programme court hier. Il va réaliser son programme libre ce soir vers 21h20. Freddy Veto et Julien Delage l'ont rencontré à l'issue de son dernier entraînement. Helsinki, il est plutôt serein. C'est bien. Le sourire du leader du championnat d'Europe. L'ultime entraînement avant le programme libre n'a pas altéré la confiance de Brian Joubert. Au contraire. Bon entraînement ce matin. Ouais, ça a été, les sensations sont là. Non, je me sens bien techniquement, pas de questions, tout paraît naturel. Donc, ça fait toujours du bien avant la compétition. Parfait hier lors de son programme court, le poitrin récidive ce matin en répétition générale, sous les yeux de ses adversaires. Démonstration. Deux quadruples sauts différents, triple axel en combinaison, Brian Joubert réussit toute la panoplie des difficultés. Mais pas sûr qu'il les tente toutes ce soir. Nanti de près de 5 points et demi d'avance sur son dauphin Thomas Werner, le poitevin entrera sur la glace après le passage du Tchèque. L'occasion d'adapter son programme aux résultats du champion d'Europe en titre. De toute façon, il y aura un programme riche. Alors il sera plus ou moins riche, mais bon... De toute façon, c'est l'or qui est intéressant, pas le reste. Après Budapest en 2004, après Varsovie en 2007, Brian Joubert tentera ici, à Helsinki, en Finlande, de décrocher une troisième médaille d'or continentale. Le poitevin s'élancera à 21h22, heure française. Un programme que vous pourrez suivre en direct sur France 3. Le titre de champion d'Europe est en jeu.